Bonjour, bienvenue dans ce replay. Merci pour tous vos commentaires, merci pour vos cœurs, merci pour vos partages, merci pour tout ça. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose d'important. Salut soldats, bienvenue à tous, bienvenue, merci d'être là. Faites attention aux faux experts, c'est le message d'aujourd'hui. C'est important parce que vous savez que moi je parle de développement personnel, je parle de méthodes pour aller mieux, pour passer au niveau supérieur, et je peux passer effectivement pour quelqu'un. Salutations distinguées. Absolument, salutations distinguées. Et les faux experts, en fait, je peux en faire partie. En tout cas, on peut croire que je suis un faux expert, et je voulais vous en parler justement de tout ça. Parce qu'un faux expert, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est quelqu'un qui va se faire passer pour ayant des méthodes scientifiques et qui va mélanger tout ça avec de la spiritualité. Vous savez comment ça se passe? On parle de mécanique quantique, on parle de foi intellectuelle, bien sûr. On parle de plein de choses. On va mélanger tout ça pour faire un espèce de discours un peu scientifique. Et en fait, il n'en est rien. Ça ne sera pas un discours scientifique. Les plus grands scientifiques ont des croyances. Les plus grands scientifiques ont un côté spirituel, ont de la spiritualité en eux, mais en aucun cas ils vont tout mélanger. L'espèce de maître à penser, il y en a plein ici. Ben voilà, en fait c'est ça. C'est que moi, par exemple, quand je parle de mécanique quantique, quand je parle de neurosciences, je peux passer pour un faux expert. On va me dire, oui, c'est une secte. Et tant mieux. Et tant mieux qu'on croit ça, parce que justement, ça permet de développer l'esprit critique des gens. Et c'est ça qui est important, c'est que l'esprit critique des gens, il est de moins en moins présent à mesure qu'on vous dit quoi regarder, qui écouter et qui ne pas écouter. Et les questions alors, enfin là je les ai envie, il est grave intéressant. Ben écoute, non, j'efface pas. Je n'effacerai pas ce live, c'est sûr. Et alors, cet esprit critique, comment vous allez le développer? Tout simplement en vous renseignant un maximum sur toutes les sources d'informations. Effectivement, la mécanique quantique, par exemple, la physique quantique dit beaucoup de choses sur l'infiniment petit, sur les vibrations, sur la loi d'attraction, beaucoup de choses comme ça. Maintenant, il y a une part où c'est inexplicable. Et comme c'est inexplicable, on ne peut pas dire que c'est scientifique. On peut juste dire que c'est abordé scientifiquement, en tout cas c'est pas scientifique parce qu'il n'y a pas de vérité démontrée. Alors PH, qu'est-ce que j'ai pas compris? J'ai pas compris ce que tu dis. Les faux experts, ils sont sur internet, ils sont même à la télévision. Vérifiez les sources, s'il vous plaît, vérifiez les sources un maximum. Faites en sorte de lire les livres dont vous entendez parler, par exemple, chez ces experts. Quand je suis en train de dire quelque chose en neurosciences ou dans la confiance en soi, l'estime de soi, dans le développement personnel, dans l'efficacité, potentiel d'hydrogène. Oui, alors ça, moi, je n'y connais pas grand-chose en potentiel d'hydrogène. Comme pour tout, il ne faut pas boire les paroles aveuglément. Absolument. Alors, vous savez quoi? Écoutez, vous allez partager ce périscope. Hein. Partager ce périscope pour qu'on puisse diffuser au maximum l'information. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a quelque chose d'important en ce moment. Il y a les faux experts d'un côté, un atome et un électron. Ah non, mais moi, j'y connais rien. Hein, donc, tu peux me dire ce que tu veux. Mais je n'y connais rien. Moi, je n'y connais pas grand-chose. C'est pour ça que je ne vais pas me mêler à tout ça et me faire passer pour un scientifique alors que je ne suis pas un scientifique. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je vais passer par là? Non, je vais passer par là. Allez, hop, je continue par ici. Tout ça pour vous dire qu'en ce moment, vous avez par exemple sur Internet, sur Facebook, entre autres sur les réseaux sociaux, des choses qui sont partagées et qui ne sont pas du tout examinées. La quantique, ça passe par là aussi. Oui, bien sûr que ça passe par là. Bien sûr. Je ne sais pas si vous avez déjà vu du côté de la méditation, vous avez des posts en ce moment qui sont partagés avec des vedettes comme Bono, comme Hugh Jackman, comme Tom Cruise, enfin plein d'autres personnes.
Salut, I'm ready, bienvenue. Bienvenue, on parle de sens critique aujourd'hui. Bienvenue au nouveau. Et donc voilà, ça parle de Hugh Jackman, ça parle de plein de personnes comme ça. Salut, bienvenue. Et en fait, c'est marqué, je ne sais pas si vous l'avez vu, est-ce que vous allez pouvoir mettre des cœurs, hein, si vous l'avez déjà vu ou si vous avez déjà entendu parler, c'est marqué méditer et le stress disparaît. J'ai rien contre Rémi. Méditer et le stress disparaît. Oui, je sais que t'es pas plutôt I'm ready, je le dis ça en général, puisque il y a des gens qui écoutent aussi sur Twitter, il y a des gens qui écoutent aussi sur Internet. Donc voilà. Alors, je crois qu'on a un spécialiste de la mécanique. Quand je ne comprends plus rien de ce que je suis en train de raconter. Si, je suis en train de raconter. Arrête, c'est lui que tu vises dans ton. Ah non, pas du tout. Rien du tout. Attends, Rémi, il est pas. C'est pas un faux expert, puisque c'est quelqu'un qui est expert dans son domaine. Moi, je parle de, par exemple, méditer et le stress disparaît. Méditer et le stress disparaît, j'ai vu ça plusieurs fois avec des photos de stars hollywoodiennes plutôt. Et je me suis dit, bon, je vais aller quand même regarder ça. En cliquant dessus, vous allez voir que c'est une espèce d'école de méditation qui permettrait d'aller bien, etc. Alors la méditation permet d'aller bien, oui, mais alors attention à quel genre de personnes vous allez avoir affaire en fait. Ce qui se passe, c'est que quand vous regardez bien le site internet, vous pouvez voir une raison sociale, vous pouvez voir énormément de choses. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est dans un premier temps de taper le nom de la personne et de taper arnaque juste après. Merci d'avoir retweeté Pécaillette, merci beaucoup. Et quand vous allez taper arnaque, vous allez tomber parfois sur des documents. Ah non, j'en veux pas, tu médites, c'est une véritable experte. Mais non, mais le problème, c'est de dissocier le vrai du faux. Le problème, c'est de faire en sorte de savoir qui dit juste, qui dit faux, quoi. Et le problème, il est là, c'est compliqué. Parce que, salut Sylvie, parce que tout le monde peut se dire expert. Et moi, le problème, il est là, par exemple, c'est qu'il y a des choses que je connais, je pourrais faire des formations et j'ai le syndrome de l'imposteur parce que je me dis, mais non, mais ça va pas, c'est, je peux pas faire ça, c'est non, trop c'est trop facile, quoi. Il suffit juste que j'ai trois bouquins et voilà. Et il y a des pros du mensonge, oui, absolument. Merci, merci Sylvie. Avoir du recul et distinguer. C'est hyper important de regarder la source. Et alors, méditer et le stress disparaît, si vous avez déjà vu ça, je vous conseille de regarder ce que c'est. Bah, c'est une secte. Voilà. Un petit peu comme la scientologie, un petit peu comme tout ça. C'est pas évident de dissocier le vrai du faux. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand on remonte à la source, quand on regarde un peu plus près, on se rend compte que ça peut être une secte. Le problème, c'est comment vous allez découvrir ce qu'est une secte et ce qui ne l'est pas. Oui, ils changent leur vitrine. Voilà, c'est ça. Ils changent la vitrine, en fait. C'est la même chose, sauf qu'ils changent le nom, ils changent la vitrine, ils changent la forme. Ils changent la forme et puis voilà, ni vu ni connu, c'est reparti. Ben, c'est ça le problème. C'est qu'ils sont très très forts en matière. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. On parle de faux experts sur Internet. Et je voulais vous parler aussi de quelque chose d'important. C'est que lorsque vous avez un... C'est quoi la nature principale d'une secte? Sans surprise, je me suis abonné à eux. La nature principale d'une secte, c'est de faire de l'argent. C'est de faire de l'argent. Mais le problème, c'est qu'il va y avoir des gens qui vont vraiment vouloir vous aider avec des vraies techniques qui vont mélanger peut-être science et croyance. Mais les dernières avancées sur l'effet placebo sont super importantes aussi. Mais là où c'est grave, c'est lorsque on va mélanger la science avec ce qui n'est pas scientifique et qu'on vous fait croire que c'est vraiment ce qu'il vous faut parce que c'est scientifique. Je vais lire un petit peu vos commentaires avant de continuer mon propos. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mettez des cœurs si vous êtes d'accord avec ça. Ici, mettez des cœurs, partagez ces périscopes, suivez-moi. Je ne suis pas un faux expert. Tout ce que je vous dis, je l'ai testé et approuvé. Maintenant,
je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Je ne suis pas au courant de tout ce qui existe. Et c'est pour ça que je vous mets en garde là-dessus. L'accord Toltec numéro 5, soyez sceptiques, mais écoutez. Mais surtout, soyez sceptiques. Faites en sorte de ne pas forcément écouter n'importe qui ou de vous renseigner sur la personne. Renseignez-vous un maximum sur les personnes qui vous disent des choses. Mais... Ouh là là là, vous êtes en train de parler entre vous. Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Voilà, moi je suis très très connecté avec cette antenne là par exemple. Je suis très très connecté. Très connecté. Très connecté. Voilà, méditez, le stress disparaît, faites attention. C'est une secte qui est cachée derrière tout ça. Alors, le vrai problème aussi, c'est comment on va faire pour des Raéliens sur Péri. Ah ok. C'est une antenne de télé, tu m'étonnes. Sauf que j'ai pas la couleur encore. J'ai pas choisi encore ma couleur des Télétubbies. Je sais pas encore. Donc je garde le hashtag esprit critique sur Facebook et Twitter. Si vous voulez réagir, vous pouvez réagir sur Twitter aussi. Ça n'existe plus la secte de Raël, ça a dû changer de nom en fait. Ça a dû changer de nom. Alors je vais aller un peu par là. L'esprit critique est très très important parce que pour l'instant, vous avez énormément d'informations sur Internet. Vous avez énormément d'experts, des faux experts, des gens qui se font passer pour des experts. Et vous avez des personnes comme vous et moi qui vont parfois croire des experts juste parce qu'ils ont une blouse blanche ou parce qu'on dit qu'ils sont docteurs en machin, etc. Voilà. Et le pire de tout ça, c'est qu'il va y avoir des gens qui auront du vrai contenu très intéressant et qui va vous faire passer au niveau supérieur. Mais comment on va dissocier le vrai du faux ? Premier problème. Deuxième problème, c'est que dans certains cas, vous allez vous rendre compte qu'on va vouloir faire en sorte de faire taire quelqu'un. Alors, on ne va pas le faire taire avec une dictature classique en le faisant taire. On va juste l'empêcher de parler au plus grand nombre. On appelle ça des escrocs arnaqueurs. Ouais. Salut Curiosity 44. Rémi est un expert, oui. Rémi, c'est un expert en vidéo. C'est un expert en live streaming maintenant, puisque ça fait beaucoup, pas mal de mois qu'il fait ça. Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais là ? Ben, je partage un périscope sur les experts, les pseudo-experts et sur l'esprit critique. Sur l'esprit critique, très intéressant. Alors, je suis tombé sur une vidéo sur Internet tout à l'heure qui expliquait que Médecins du Monde, par exemple, était une ONG qui avait énormément d'argent, qui voulait diffuser une campagne contre les lobbies pharmaceutiques. Et ben, on leur a censuré cette campagne. Dédicace à Maxime Eve. Sinon, je pars. Ah, d'accord, ok. Voilà, bon, bah, écoute, tu peux partir si tu veux. Je t'ai fait ta dédicace. Voilà. Merci d'être passé, Maxime Eve. Et donc, cette ONG, donc Médecins du Monde, ne pourra pas diffuser son information parce que les publicitaires qui ont créé cette campagne ont eu des problèmes avec les lobbies en question parce qu'ils ont beaucoup plus d'argent. Pourquoi je vous dis ça ? Pas pour vous parler de scandale, encore une fois, juste pour vous dire que quand vous avez des périscopes intéressants, et je ne parle pas forcément des miens, ça peut être d'autres. Il y a vraiment un problème avec cette antenne-là, mais je suis connecté à l'univers. Voilà. Quand vous avez des périscopes intéressants, partagez-les un maximum, surtout lorsqu'il y a une espèce d'esprit critique qui rentre en ligne de compte. Quoi. C'est super important. Je vous dis ça parce que pour l'instant, la parole est libre encore. Les réseaux sociaux vont appartenir petit à petit à des grands groupes qui auront énormément d'argent. Qu'est-ce qui nous dit qu'un jour, on n'aura pas la parole coupée ? Qu'est-ce qui nous dit qu'un jour, on ne va pas nous faire taire ? Qu'est-ce qui nous dit qu'un jour, ça ne marchera plus ? On ne pourra plus dire les choses. Donc partagez un maximum pour qu'un maximum les gens soient au courant.
Je suis pas vraiment journaliste. J'ai un cursus d'animateur radio avec une base journalistique. Un indien dans ta ville. Tu trouves que je suis indien ? Tu trouves que je suis indien ? Ça serait quoi mon nom d'indien ? Dites-moi quel serait mon nom d'indien. Voilà. Pour ceux qui me connaissent, je vous demande de me trouver un nom d'indien. Un nom d'indien, voilà. Ce serait pas mal, ça, de trouver un nom d'indien. Visage pâle. Tu m'étonnes, pour un indien, c'est clair que j'ai un visage pâle. C'est clair. C'est sûr. Est-ce que ça vous parle un petit peu, tout ça, tous ces experts, ces faux experts ? C'est compliqué... Non, je suis pas indien. C'est compliqué de dissocier le vrai du faux. Je trouve que tu fais aussi dans le type comme les anciens... Que tu fais aussi dans le titre des anciens chanteurs. Ah, ok. Bah écoute, c'est un peu dessus de la tribu. Lionel Imo. Lionel Imo. Le cri de guerre. Le cri de guerre de la vérité. C'est justement cette voix. Oui. David et Jonathan. Ah ouais. David et Jonathan, carrément. Je sais même pas de quoi vous parlez. On parle d'esprit critique. On parle d'esprit critique. Qu'est-ce que je pense des médias français ? Les médias traditionnels ou les médias alternatifs ? Pas pareil, hein. C'est pas pareil, en fait. Les médias alternatifs et les médias traditionnels. C'est la maturité intellectuelle. L'esprit critique aussi se développe en se disant, voyons, on me dit ça, ce n'est pas parce que c'est quelqu'un d'expert qui me dit ça que c'est vrai, je vais vérifier par moi-même. Donc ça prend du temps. On étouffe notre esprit critique, on cherche à l'étouffer un maximum. Et les réseaux sociaux sont là justement pour faire en sorte que nous-mêmes, on cherche l'information. Ah ben, les médias traditionnels appartiennent à des grands groupes financiers qui ont des intérêts et qui a un conflit d'intérêts avec ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on a le droit de ne pas dire pour éviter de faire gagner, perdre de l'argent à l'entreprise. Voilà ce que je pense. De médias traditionnels. Voilà, messieurs, dames, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Vous pouvez encore commenter sur Twitter si vous n'étiez pas sur ce Periscope en direct. Hashtag Esprit Critique, One Chronic Show. Je vais bientôt changer de nom, je vous expliquerai tout ça. Merci d'avoir été là, merci d'avoir partagé, merci d'avoir retweeté. Merci, je vois que vous avez un esprit critique pour la plupart. N'oubliez pas que la confiance en soi et l'estime de soi, c'est quelque chose qui se travaille de jour en jour et qui n'est pas inné. Et puis, prenez soin de vous, il n'y a que vous qui sachez exactement ce qui est le mieux pour vous. Donc, prenez soin de vous, vous êtes la personne la plus importante au monde. Et après, vous occupez des autres. À bientôt et ciao, ciao.